numéro 85, Ella du Brême, présenté par Jean-Luc Couetil. Alors c'est une branche assez éloignée, mais qui remonte à sa origine, hein, celle qui descend le Pontigami. Qui pourra la mère à gagner le prix chef de clan au Mans. On propose ici une femelle de relique, très typée du père d'ailleurs. Relique, donc c'est la deuxième génération française de relique. Qui s'est illustré avec sa première génération cette année, notamment avec Gébois de Chenet, Gaëtan Dubois et Monarch, donc très typé relique, c'est du jouant avec beaucoup de rayons, le 5 février, et les sœurs de Elmira, une abscisse qui est née d'une période de 5, la génération de Lucie, le réat du prix Jacques de Vienne, rien d'autre que ça. À 5, à l'époque, ce n'était pas encore un 3 à la QS, le Jacques de Vienne. Ici, il est parti en avant dans une succès, puisqu'il a gagné 4 ours. Relique, la mère par Sodat Chak. Chak, c'était un élève de Hamid Abdullah, qui a fait la mère au Rhin National. Pendant beaucoup de Moussaï, il a fait la mère dans le sud-ouest, il a fait de nombreuses Anglo arabes là-bas, enfin, de nombreuses Anglo arabes, à la base. Le spectre de juin en Loire est assez mince, 250 juins par an en Loire. Donc voilà, bref, c'est chaque pas une avance à lui. Il a fait la montre un petit moment d'un sorti, donc de la naissance de celle de Sipora, qui est devenue mère de Ella du Brême. Il est en travers la tête vers le paddock. Vers le